Quase que se pode dizer que a Copa América começa agora. Brasil-Argentina, meia-final da competição. Grande jogo, enorme jogo em perspectiva entre duas seleções que vivem momentos distintos. O Brasil começou muito bem, frente ao que já lá vai muito tempo, 26 anos. É verdade que esteve quase duas finais seguidas. A expectativa hoje, percebendo que tem que ser uma equipa inteligente a defender e para depois... Tira a Pazella. Existência brasileira, Roberto Firmino, remate e a defesa. E a repetição confirma, fora de jogo tirado ao atacante do Liverpool. Bola para a velocidade de Gabriel Jesus, vamos ver se ainda chega o jogador do Manchester City. Entanto, um pivô central, o número 5 paredes, e dois interiores no apoio de marcação. Canto para o Skrete. Cruzamento a sair, tira a defesa. Com golo, e Firmino é um 9 que sabe se movimentar para abrir espaço para Gabriel Jesus ao Everton. A pressão aqui do Brasil, com 6 homens no meio-campo da Argentina. De Paul, sofre falta. Rodrigo De Paul, Melo recupera o Brasil. Gabriel Jesus, falta. Entrada de Tagliafico. Dani Alves, tira Agüero. A imagem que mais salta à vista nestes minutos iniciais, a forma como o Brasil... Paredes, remata de muito longe, que tiraço de Leandro Paredes. É o primeiro sinal de perigo no Mineirão. É um remate espetacular de Paredes, claramente o médio mais virtuoso desta Argentina. E um remate que sentia-se que ia... E lá o Mineirão, atenção a Messi. Sofre falta. Regressa ao Mineirão. Bola. Coutinho. Grande pormenor de Filipe Prar, sem falta, diz o árbitro de... Dani Alves, boa bola, atenção Firmino, vai marcar, golo! Marca o Brasil, Gabriel Jesus põe fim à seca, mas vamos ver se o golo é mesmo validado, porque os argentinos protestam muito. Uma eventual falta no início da jogada. Gabriel Jesus, depois de ter ficado em branco, frente no Mundial 2018 e nesta Copa América, regressa aos golos, 1-0 ganha o Brasil. Sim, mas é aquilo que te referi em relação à presença na área. Vimos o Brasil marcar isto. Não é muito diferente estes movimentos do que o Brasil já. A equipa ganha muito gol, de facto, agora com Gabriel Jesus, Everton e Firmino. Coutinho. Que qualidade tem Coutinho. Para... Número 5 na condição de bola. Recupera a defesa brasileira. Também de bola vai chegar a Messi. Já está marcado por dois homens do Brasil. Se a bola entrasse logo na condição de bola durante tanto tempo, muitos toques na bola e um passe errado. Eficiência técnica. Agora não sabe. Ah, vos acaparei, Messi. Lá, on a vu como Casimiro e Arturo. Dès que la balle est perdue. Messi pour ce ballon dans la surface. Mal. Là, il a fait la même chose. Un appel de balle de Kun Agüero. Et le ballon encore. Lautaro Martinez, Messi, Agüero. Voilà la combinaison entre les trois. Lautaro, la frappe de Martinez contrée par Thiago Silva. Nouvelle tête. Coup franc de Léo Messi, Agüero, la tête sur la barre, Talisson, ballon dégagé ensuite, par la Seleção. Cette fois-ci, la mesure de la passe de Messi. Otamendi, Acuña la passe vers Léo Messi, la passe de la tête, c'est trop petit. Parce que là, il y a tout, hein. Et ça va revenir peut-être encore. Messi, Acuña, à Dani Alves. Si la Puga, il parvient encore un crochet de Messi, la passe, elle est bonne, Agüero, occasion d'égaliser, Agüero la frappe. Messi, pour ce coup franc, pas bien. Messi, encore entre les deux, j'ai taclé et récupère. Messi, la frappe enchaînée, elle est bien ratée. Là on a vu, hein, son poli à tout faire, presser, récupérer et tirer. Ça se voit qu'il est quand même un peu... Casemiro. Oh, la passe de Casemiro, Otamendi intervient parce que Casemiro, comme toujours, oh, Messi il garde encore, quel brio de la part de Léo Messi qui est de... Acuña. Oh, attention, attention. Mais c'est bon aussi. Mais bien sûr. Allez, vas-y, l'Argentine. Oui, oui, voilà, voilà. Oui, parce que ça, c'est plutôt énervant. Tagliafico, centre. Ok. Occasion encore avec Everton. Et Everton.
sur la défense. Et passe à tout adversaire. Le corner de Philippe Coutinho. Otamendi, ça revient encore entrée de la surface. La frappe. Donc on voit là, le toucher de Daniel Alves. De... Très fort Daniel Alves, le centre encore. Firmino. Rodrigo De Paul. En grande difficulté toujours Daniel Alves, le ballon procède de Daniel Alves, Otamendi, mais ça va revenir dans le cerné par Casemiro. Avantage maintenant à Léo Messi, appuie sur Kun Agüero qui essaie de redonner encore l'extérieur. Attention parce qu'il peut le manger, Everton à la course. Foyt. Et c'est la fin de cette première mi-temps. Le Brésil mène face à l'Argentine 1-0, un but de très grande classe, une super action collective conclue donc par... par Gabriel Jesus. Une équipe est bien en place, l'autre... Est-ce que c'est par défaillance physique peut-être? Parce qu'on l'a, je trouve, en dehors. La seconde période, et donc le Brésil fait un changement. Et... Coutinho, encore entre les lignes, assez libre, hein, Coutinho. Coutinho pour ce corner, il a capté De Paul. Avec une ouverture réussie sur Tagliafico, le centre vers Agüero, ballon centre. Par jeu, Lautaro Martinez. Le drapeau s'était furtivement levé. Assez, assez productif, il faut. Attention. La percée de Di Maria. Une confusion, voilà, regardez le. La danse, c'est volé, hein. Et ensuite. Messi, attention, Messi, non, Messi. Firmino. Attention, non, il ne faut pas faire faute. De Paul. Attention parce que le Brésil défend à 10. Di Maria, ballon d'égalisation, contrôle. Très très bien ce qu'il fait. Lautaro avec Messi encore. Messi, crochet, la passe de Messi. Messi pour frapper ce coup franc. Oh, oh, il a été le chercher en pleine lucarne, Alisson. Et toujours contre. Oh, Otamendi, heureusement, il intervient. Ouais, mais quand. La précision se détériore. Coutinho, mais c'est là. Corner pour le Brésil. Coutinho, c'est tête de Lautaro. Il faut créer avec Messi. Messi maintenant qui va essayer de dribbler la passe. Ouais, il a poussé le ballon un petit peu loin. Gabriel Jesus, le retour maintenant Otamendi. Il l'a mangé encore. Gabriel Jesus, la balle de 2-0 pour le Brésil. Roberto Firmino, l'Argentine. Et KO. Sur un contre, tout le monde s'est arrêté de jouer. Gabriel Jesus offre ce but à Firmino. La vitesse, les espaces ouverts. L'équipe coupée en deux, en même trois, peut-être quatre argentins. Et évidemment, cette fois-ci, on va voir comment il va partir. D'abord, on croit qu'il y a faute. Oui. Évidemment que c'est hyper productif. Coutinho. Voilà. Firmino. Il a Lautaro, c'est vrai. C'est bien. Voilà, ça c'est bon. Gabriel Jesus encore fait l'appel. Oh, difficulté fois Gabriel Jesus. Sortie d'Armani. Di Maria, le centre. Réussi, renvoyé à Agüero.